dernière journée des compétitions équestres au parc olympique de Deodoro, 35 cavaliers qualifiés avec pour seul but de décrocher une médaille. Parmi ces finalistes, Jérôme Guéry, pour qui l'objectif fixé avant la compétition est déjà atteint. Malheureusement, le cavalier belge, dernier qualifié pour la finale, doit s'élancer en premier, une position qui clairement n'est pas en avantage. Difficile pourtant de ne pas espérer encore plus pour le cavalier de la LWB compte tenu de ce que le couple a montré lors des manches précédentes. Ouais, Grand Cru a été vraiment exceptionnel. Faut savoir, Grand Cru, ça fait qu'un an et demi que je le monte, il vient d'1m20 et il est là et on est au plus haut niveau. Malheureusement, Jérôme et Grand Cru n'arriveront pas à réaliser le sans faute et même si le parcours olympique du cavalier de Sardamavine s'arrête à ce stade, sa satisfaction n'est pas entamée du tout. Voilà, très heureux de ma finale. Malheureusement, deux petites fautes sur la fin de parcours où j'ai tout petit peu perdu le contrôle sur mon cheval et resté un petit peu braqué sur le mort. Deux petites fautes sur des verticaux, pas des fautes à l'effort. Le gros point positif, c'est que le cheval a sauté toutes les épreuves ici avec une grande facilité. Grand Cru, c'est vraiment un cheval super. C'est sûr qu'avec une année de plus d'expérience, je pense qu'on pouvait vraiment viser une médaille. Donc voilà, c'est sûr que quand on est en finale, on a envie de faire un peu plus, un peu mieux, mais très très heureux des Jeux ici à Rio et des résultats qu'on a réalisés. Moment d'émotion avec la famille et les amis présents, mais aussi le moment de se souvenir des grands instants qui ont marqué Jérôme Guéry à Rio. Les Jeux, pour moi, c'était un rêve d'enfance, donc j'étais très, très heureux que ma famille, mes proches soient venus me soutenir et aussi très très heureux de sentir le soutien de toutes les personnes qui sont en Belgique et qui m'ont suivi, l'expérience olympique avec être avec tous les athlètes sur le village, l'atmosphère, la difficulté aussi des Jeux. On a beau avoir fait tous les plus beaux concours, les Jeux, ça reste les Jeux, c'est quelque chose de vraiment spécial. Mais il y a une vraie atmosphère et ça, c'est inexplicable. Il faut vraiment le vivre pour comprendre comment c'est les Jeux. C'est donc en spectateur que Jérôme va assister à la deuxième manche et à un barrage à la hauteur de l'événement. Un barrage qui va sacrer le Britannique Nick Skelton et Big Star devant Peder Frederiksen et Eric Lamaze. Très chouette, on a eu vraiment un super barrage. Ils étaient 6 avec des super cavaliers. Nick entrée de jeu qui met la barre très haut, la pression sur les autres. On a vu Steve qui malheureusement fait une petite faute sur le numéro 1. C'est un tout petit peu le bémol du barrage. On aurait bien voulu que Steve soit aussi sur le podium. Mais bon, Nick a été fantastique, il met la pression dès le début. Frederiksen qui vient juste derrière, qui assure le sans faute. Il savait qu'il avait une médaille d'office. Et alors le final avec Eric Lamaze qui nous fait un barrage fantastique, plus rapide, malheureusement une petite faute sur l'avant-dernier. Très beau podium olympique, très belle compétition dans son ensemble et un Jérôme Guéry qui peut quitter Rio avec le sentiment du devoir accompli. J'espère que je serai à Tokyo et j'espère pouvoir faire une médaille. Equitv vous est présenté en partenariat avec Horseware.